Premier swimrun la cour. Le premier point au niveau natation. Donc déjà vous avez évité la portion avec courant. Donc déjà vous n'auriez pu avoir trop de soucis, peut-être à Saint-Leu, un petit peu de courant devant votre poste de courant, mais ça ne devrait pas être trop méchant. Pour l'instant les bénévoles disent qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Les sorties de l'eau. Je rappelle bien que les sorties de l'eau ne se font pas 50 mètres avant l'Oriflamme, mais face à l'Oriflamme. Dans la porte, hein, il y a deux bouées qui sont rapprochées, sont séparées de 2 mètres. On se trouve à la Saline des Bains, là où il y a l'anti-plage. On fait 400-500 mètres. Il y a une zone de végétation un peu dégagée, avec une maison blanche toute carrée, un arbre mort. Donc bien attention au départ, hein, 2,5 km. Faites pas attention aux Oriflammes que vous croisez, c'est à la troisième pour rentrer dans l'eau. Il y a des questions ? Alors Pascal, comment ça se passe pour le moment ? Ben, pour l'instant, tout se passe bien. On est dans le timing. Tout le monde est à l'heure. Les départs se sont bien passés. Les deux départs de la course et de la longue se sont bien passés. D'ailleurs, les premières sessions de natation de la longue ont commencé. Donc, on a beau temps. Les conditions sont réunies pour faire une belle course. Sur le long, c'est dur pour vous. Ah ouais. La course à pied, vous a fait mal. Ah ouais. Ah, c'était un bon dur. La portion, la 6, là, c'est vrai qu'elle fait. Oh, elle aussi, elle est hyper éprouvante, quoi. Alors, comment s'est passé tout ça? Vous avez écouté, impeccable. On a souffert la chaleur, mais on a tenu bon. Et on est content. On avait des poissons pilotes. Ah ouais, là on avait des on avait des torpilles. Mais on a un très beau parcours. C'était votre combienième de participation ? Troisième. Troisième, la première pour la course, c'est la première session et c'était un petit peu moins frais qu'au départ. Hein. Ah, c'est clair. On fait des malins un peu au départ, mais là. Alors on va se diriger tout doucement mais sûrement vers cette ligne d'arrivée. Je vous rappelle donc toutes les équipes Parma et toutes les courses. Non, elles sont désormais. Au début, on pensait que ce serait bien. Il y en avait 4. Et puis, au bout de 6 km de course, c'était. Tous les enfants directement qualifiés pour les prochaines Olympiques du côté de Tokyo. C'était vraiment dur. L'année prochaine. La partie course à pied, là, on a pris cher. C'est les parents qui payent. On a tenu jusqu'au bout. Dans deux équipes. Ils ont rejoint donc deux équipes. Médaille, finisher. Sur la version courte, 3e du nom. Bravo.